Compagnie Likia, soyons confiants que nous avions lancé est un appel au cadre. En cette période morose, ils doivent laisser leurs bureaux climatisés, les maisons luxueuses pour aller vers le peuple. Car il ne s'agit pas seulement de donner l'information, mais la bonne information. Nous devons expliquer au peuple que cette crise n'est pas une fatalité et qu'avec l'aide de Dieu et sous la conduite du président Denis Sassou Nguesso, nous vaincrons. La troisième phase que nous lançons ce jour est un appel à l'organisation et à la fidélisation de la couche la plus importante de notre société, la jeunesse de notre pays. Après plusieurs mois d'absence, Digne Elvis Tchalisson Okombi près de retour à Brazzaville et fait sa première sortie médiatique à travers cette conférence de presse qui marque également le lancement de la troisième phase de la campagne Elikia. Cette campagne qui consiste à l'enregistrement des comités de soutien pour l'engagement citoyen autour de Denis Sassou Nguesso. Je vous appelle tous à vous structurer en comité de soutien, étant entendu qu'un comité de soutien est égal à 20 personnes. Préparons-nous à nous inscrire en masse sur liste électorale pour l'élection présidentielle de 2021, car 2021 est notre combat. Ainsi donc, après le PCT, Digne Elvis Tchalisson Okombi affûte ses armes pour affronter les élections présidentielles de 2021 avec leur candidat Denis Sassou Nguesso. Voilà, il est aujourd'hui que nous puissions faire confiance à celui qui a l'expérience de la gestion du pays. Voilà, mais à condition que, comme nous sommes en train de dire, que nous puissions replacer les problématiques des jeunes au centre du projet du président de la République. Mais ça dépend aussi de notre engagement. Voilà, plus nous allons nous organiser, plus nous allons nous structurer, plus nous serons sur la première ligne de front, plus nous serons capables de dire que voilà nos revendications. Voilà.